soit à déterminer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction exponentielle de moins x dx. Alors, il me faut trouver la primitive de la fonction exponentielle moins x qui est continue entre 0 et 1. Je sais que cette primitive, c'est exponentielle de moins x divisé par moins 1, ou bien moins exponentielle moins x, car la dérivée de cette fonction me donne exponentielle de moins x. Apprendre entre 0 et 1. Ensuite, pour calculer, je remplace x par 1 et ensuite x par 0. Donc je remplace x par 1. J'obtiens moins exponentielle de moins 1, moins, je remplace x par 0, moins exponentielle de moins 0. J'obtiens donc moins exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Ici, moins exponentielle de 0, c'est 1. Donc, j'obtiens moins 1 sur e, plus 1. Et je peux éventuellement mettre au même dénominateur. J'obtiens moins 1 plus e sur e. Donc, voilà le résultat en unité d'air. Donc, à retenir, la primitive de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle moins x.